c'est assez intensif, hein, mine de rien, l'enchaînement de la journée et puis de la présentation, quoi. On a essayé de mettre en avant un petit peu les choses qui ont été travaillées plus spécifiquement sur certains morceaux, enfin voilà, comme vous avez pu le voir. Et bah ouais, mais moi je suis super content, quoi. Rémi, c'est parfait, quoi, ce qu'il apporte. J'ai pu, moi, me greffer aux morceaux qui ont été déjà préparés par mes comparses. Moi, j'arrive maintenant, et du coup, il a fallu qu'il fasse de la place un peu, qu'on décide où je me mettais, ce que j'y mettais, avec quel instrument. Il y a une complémentarité nouvelle aussi entre le theremin de Rémi et puis ce fameux clavier de Mathieu, quoi. La musique, bah, c'est la musique de Seb Adam, donc moi j'aime beaucoup, je trouve que il a un style d'écriture qui est vraiment, qui est à la fois particulier et très, très varié en fait, donc je trouve que c'est super intéressant de travailler sur des morceaux qui sont aussi divers, dans les rythmes, dans les intentions, et à la fois avec une certaine unité, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, on s'est lancé là-dedans aujourd'hui. On en avait déjà parlé. Et puis, bon, bah, on était sur d'autres choses, quoi, sur les réunions d'avant. Et là, bah voilà. En plus, moi, Rémi, j'ai connu chanteur ailleurs, enfin choriste ailleurs, comme d'ailleurs Mathieu et Jérôme. Et voilà, je savais qu'ils faisaient ça très bien, tous les trois. Et puis, bah ouais, ça apporte quelque chose. Je sais pas quoi dire de plus, sinon que c'est très positif tout ça. La suite, bah, j'ai hâte déjà que Valentin arrive pour les deux prochaines journées d'ailleurs. Et ensuite, en juillet-août, le festival, je pense que ça va être mortel. À suivre.